J'espère que vous allez bien, c'est Abraham, monsieur le directeur. Aujourd'hui, je fais une vidéo spécialement pour Rodrigue. C'est un élève de la formation bassiste pro. Et il m'a posé une question. Il m'a dit, je n'arrive pas à accompagner une chanson à la basse. Et puis, si je prends une grille d'accords, comment construire des jeux d'accompagnement avec ma guitare basse? Ok, je fais la vidéo spécialement pour lui. J'espère que ça va vous aider si vous aussi vous avez le même problème. Je pense que j'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet-là, mais je la reprends spécialement pour Rodrigue et puis je la reprends aussi peut-être pour vous. Ok, comment accompagner une chanson à la guitare basse? C'est très simple. Pour accompagner une chanson à la guitare basse, vous devez connaître la grille d'accords, c'est-à-dire vous devez connaître la progression. Ça, c'est la base. Après, quand vous connaissez la progression, il faut maintenant avoir l'oreille musicale. Je pense qu'il y a une vidéo, cherchez, écrivez Abraham Bern, oreille musicale, un truc comme ça, forcément il y a une vidéo là-dessus. Vous devez avoir l'oreille musicale. Maintenant, la troisième chose que vous devez avoir, c'est maîtriser les différents styles musicaux. Il y a plusieurs styles musicaux, ok? Il y a rock, blues, etc. Vous devez maîtriser tous ces différents styles musicaux-là. Et dans chaque style musical, il y a une figure. Par exemple, chez les chrétiens, on parle d'adoration. Dans l'adoration, il y a plusieurs figures. On va pas parler de gospel, mais on va parler de figures simplement. Regardez ma main droite, ce que ça fait. Je joue une note. Supposons que non, ma progression c'est Do, 4 temps, après Fa, 4 temps, ok? Je vais utiliser ma figure 1, 2, 3. On a la progression bam, 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 bam. 1, 2, 3. Encore. Ok, ça c'est une figure qu'on maîtrise déjà. Ça c'est une première figure. Si peut-être on faisait, je sais même pas, si on faisait du reggae, ce serait plus simple. Ok, une autre figure encore. Ce sont des figures que vous devez comprendre, que vous devez connaître par cœur. Pour le reggae, on va faire 1, 2, 3, ta ta ti ta, bi bam 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 bim ta, tu ton 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 ti ta. Ok. Ce que vous devez retenir, c'est que si vous voulez accompagner un groupe, vous devez connaître la progression, la grille d'accords. Une fois que vous avez la grille d'accords, vous devez maîtriser les figures. Là, je viens de vous montrer deux figures. Quand vous écoutez des chansons, écoutez bien ce que le bassiste fait. Écoutez bien la ligne de basse, ok? Quand la ligne de basse est en train de passer, par exemple, une chanson va passer, etc. On va essayer de retenir juste la figure rythmique. On va venir aussi. Ok. On retient la figure rythmique. Ça, ce sont des choses, vous devez avoir un répertoire de figures rythmiques. Vous devez avoir
une panoplie, c'est-à-dire vous devez avoir beaucoup, 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 beaucoup de figures rythmiques. Et ça se travaille, ça se bosse, c'est à force d'écouter plusieurs chansons qu'on finit par avoir ce répertoire-là. Maintenant, vous devez avoir un répertoire en fonction des différents genres musicaux. Une fois que c'est fait, ça c'est quelque chose que vous devez travailler. Je peux pas vous montrer ça. J'ai déjà créé une formation où on parle énormément des styles musicaux. Ok? Une fois que c'est fait, une fois que vous avez déjà toutes vos figures rythmiques, après, il va falloir combiner, c'est-à-dire créer une nouvelle ligne de basse. C'est pourquoi on dit combiner. Pour créer une ligne de basse, il faut combiner plusieurs figures rythmiques. Ça, c'est quelque chose que j'avais déjà enseigné dans Bassiste Pro. Pour créer une ligne de basse, vous devez associer plusieurs figures rythmiques. J'enseigne ça dans Bassiste Pro. Mais là, je vais vous montrer comment apprendre à créer vos propres lignes de basse. OK? Let's go! Par exemple, dans notre première figure, c'était 1, 2, 3. 1, 2, 3. On a dit notre progression, c'était Do 4 fois et après Fa 4 fois, 4 temps. 1, 2, 3. On va pas laisser la ligne comme ça parce que c'est trop simple. Donc on va essayer de combiner plusieurs choses. J'ajoute des trucs en fait. 1, 2, 3. La base, c'est ça. 1, 2, 3. J'ajoute toujours quelque chose pour que ce soit pour que ça puisse groover. Voilà donc ce que vous devez retenir pour créer une ligne de basse. Pardon, pour accompagner un groupe, vous devez connaître la progression, la grille d'accords. Ça, c'est la base. Une fois que vous avez la grille d'accords, vous devez avoir votre répertoire. Vous devez tirer dans votre répertoire de figures rythmiques. OK? Écoutez souvent les batteurs. Écoutez comment les batteurs jouent. Écoutez la grosse caisse de la batterie et essayez de prendre des trucs là-dedans. Écoutez beaucoup les batteurs pour avoir beaucoup de figures rythmiques. Écoutez aussi d'autres bassistes et puis essayez d'emmagasiner, essayez d'enregistrer toutes leurs façons de jouer. Surtout, bossez les figures rythmiques. Une fois que vous avez ça, apprenez à créer votre propre ligne de basse. Je pense que c'est ce que je vous ai montré tout de suite. Je vais en profondeur dans la formation Bassiste Pro. Faites tout pour la télécharger parce qu'il y a, y a tout, il y a tout dans Bassiste Pro. OK? Donc, apprenez à créer vos propres lignes de basse. Et ça, je l'enseigne dans Bassiste Pro. Let's go!